Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage la recette des croquants que j'avais mis sur mon Instagram en story. Vous avez été nombreux à me le demander, du coup, ben voilà la recette. Elle est très facile et vraiment, c'est juste un bonheur en bouche. J'espère que cette recette vous plaira. Pour les ingrédients, on aura besoin de 415 g de farine de riz, 3 œufs, 115 g de maïzena, 150 g de sucre roux, vous pouvez en mettre moins si vous voulez. 12 centilitres d'huile neutre. De la vanille. Un sachet de levure chimique sans gluten. Une pincée de sel. Et un jaune d'œuf pour la dorure. On commence par blanchir les œufs, le sucre et la vanille avec un mixeur. Dès que c'est fait, on ajoute l'huile. On mélange à nouveau. On tamise la maïzena et la farine de riz. Ensuite, on ajoute la levure chimique sans gluten et la pincée de sel. On mélange bien. On pose le papier cuisson par-dessus notre plan de travail. On huile les mains pour que la pâte ne colle pas. On prend une partie de la pâte. On forme un boudin qu'on va aplatir légèrement. Il faudra laisser une épaisseur de 2 cm. Ensuite, on badigeonne avec le jaune d'œuf. Et avec le dos de la fourchette, on va venir faire un petit design. Et pour la première cuisson, on enfourne à 180 degrés, 8 à 9 minutes. Ensuite, on le sort du four. Et ensuite, avec le couteau, on va couper chaque 2 cm. On les met de côté. Et on enfourne une dernière fois à 180 degrés, 8 à 9 minutes. On laisse refroidir et ensuite, on peut directement déguster. Voilà la fameuse recette des croquants sans gluten et sans lactose. Et j'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao!